comme il y a des nouveaux, peut-être Nathan, tu avais commencé, est-ce que tu veux bien expliquer pourquoi on s'est réunis là dans un premier temps? Chaque matin maintenant on se réunit ici pour discuter un peu de ce qu'on veut dire. Par exemple, il y a quelques jours, ça a été une discussion à propos des salles garçons, filles. Hier, c'était la salle des fouloirs, enfin tout ça. Et on peut se parler au moyen des crayons. Les crayons orange, c'est pour prendre la parole. Les rouges, c'est pour poser une question. Les verts, c'est pour répondre à une question. Mais on s'abonne dans... Il y a des pages chocolat spécial, des pages chocolat normal, du normaux. Et ça existe pas. Et si ça existe pas, qu'est-ce que tu fais? Il y a aussi des chocolats sculptés. Bah des sculptures en chocolat quoi. Axel, est-ce que tu sais ce que c'est le madarjo? Non. Clarence, est-ce que tu peux l'expliquer? C'est quoi? Madarjo. Ah, c'est pour dire que t'es aidé pour jouer. Il n'a pas souvent dans le centre où on veut faire tout quoi. Donc pour donner des envies d'activité, quand t'as envie de faire une activité dans le centre, tu en parles ici. Ceux qui, les enfants qui souhaitent viennent voter pour des nouvelles lois ou des choses qui vont changer dans le centre. Donc la semaine dernière, Emma, tu étais là, je crois. Ouais. Ouais, il y avait qui d'autre? Stan. Ouais, non, il n'y avait pas Stan. Est-ce que tu veux, Emma, est-ce que tu veux, mais tu te rappelles ce qu'on est en train de faire? Ah oui. Tu te souviens? Si, par exemple, s'il ne veut pas, bon, on leur demande qu'est-ce qu'ils aiment et puis après... Voilà. Ouais. Vous avez tous compris? Oui. Donc s'il y en a qui sont... On a proposé, nous, en fait, et... Justement, on va y passer. On a proposé donc que celui qui parle ou qui fait du bruit pendant cette réunion ou qui fait qui est pas d'accord pour participer. Par exemple, si je joue à ça. Ouais, voilà. Bon exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Emma? Bah, on lui dit qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il aime bien faire. Voilà, on peut essayer d'engager la conversation avec lui, de lui demander ce qu'il aime bien, ce qu'il a fait ce week-end, etc. On doit peindre des chaussures en blanche ou en bleu. Parce qu'il y aura une grande course, il y aura un grand marathon. Donc, et puis, il y en a qui, ceux qui courront, ils seront avec un t-shirt bleu. Donc, quand c'est sec, bah, et puis que le bleu il est sec, et ben. On peint en bleu et on attend que ça soit fait jusqu'au 17 mai. Les différentes activités qu'on propose, ben, c'est toujours, on essaye de respecter un peu le choix de l'enfant. Donc des fois, ça ne vient pas de l'enfant directement, des fois, on s'est impulsé par l'équipe d'animation. Mais en général, ce qu'on essaye de mettre en place, donc, c'est pas mal de sorties dans la nature. Donc, parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour aimer la nature. Donc on fait pas mal de balades pour aller observer ce qui se passe, les oiseaux, le paysage, plein de petits jeux comme ça. Autrement, bah, y a pas mal d'activités manuelles qui sont pratiquées, et notamment des activités manuelles autour du bois. C'était un des projets de l'année dernière, c'était redynamiser un petit peu notre atelier bois. Donc il y a eu dernièrement en date le bateau pirate qui a été construit dans la cour avec les enfants et puis deux intervenantes. Mais on a fait également des cartes cette année avec les enfants. On a fait aussi donc, des grands jeux en bois, on a fabriqué des jouets pour les enfants, donc, pour qu'ils puissent fabriquer leurs jouets. On trouvait que c'était intéressant, donc ils ont fabriqué des voitures, des bateaux, des avions, des boomerangs, il y a eu des acrobates, des catapultes, enfin, pas mal de petites choses comme ça. Autrement, on fait pas mal d'activités sportives aussi, parce qu'on a la chance d'avoir deux éducateurs sportifs au sein de l'équipe d'animation. Donc voilà, autrement donc il y a des ateliers cuisine régulièrement qui sont proposés aussi. Donc ça dépend des animateurs, c'est selon les envies aussi des enfants, mais voilà, c'est pas forcément toujours réussi, mais bon, est-ce que c'est le but premier, c'est pas... voilà.
c'est au goût de chacun après. Alors on essaye du coup dans l'équipe d'animation qu'elle soit mixte dans chaque tranche d'âge et complémentaire parce que chaque animateur a des compétences différentes. Et du coup je pense que les enfants s'y retrouvent pas mal en ce moment parce qu'on a une équipe justement qui est assez soudée et puis dynamique et complémentaire. Donc voilà, il y a de tout âge hein, dans l'équipe d'animation et toute expérience. Alors, tu vas pouvoir prendre un petit papier, prendre un crayon, et tu vas marquer sur le petit papier numéro 1, 2 ou 3. Si tu veux que ça soit le téléphone, tu mets le... Je pense que c'est un métier passion, le centre de loisirs, c'est... ça permet de grandir, de faire des choses qu'on ne peut pas faire forcément partout et de rendre possible justement c'est toutes les envies qu'on peut avoir. De permet de faire d'autres activités, d'être responsabilisé, de faire des choix par rapport à ses loisirs. C'est déjà pas mal. Vivre une coupure aussi par rapport au rythme de la semaine. Donc voilà, c'est vivre des moments de loisirs et des moments de détente ensemble au sein d'une structure et puis d'un groupe, quoi. J'aime bien ça et qu'on dit les trucs qu'il faut changer dans le centre. Ça nous filme!